L'objet de cette réunion, c'est d'essayer de travailler avec les différents acteurs du patrimoine saint-lusien et essayer de voir quel est l'état d'application réel du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Luc d'une part, essayer de voir aussi quel est l'état de dégradation du patrimoine bâti, parce qu'il y a beaucoup de dégradation, et surtout travailler avec tous les acteurs pour avoir un plan d'action qui va nous aider à reconquérir les valeurs patrimoniales perdues et à faire de telle sorte que dans le futur, les interventions sur le patrimoine se fassent dans les règles de l'art et aillent dans le sens du renforcement du tissu urbain, du renforcement des valeurs pour lesquelles Saint-Luc a été inscrit au patrimoine mondial. Aujourd'hui, il y a un appel d'air et il y a énormément d'interventions sur le bâti. Ces interventions, malheureusement, ne se font pas toujours dans les règles de l'art. Conséquence, il y a eu un risque réel de débitement du tissu urbain, ce qui peut conduire, c'est vrai, à une inscription sur la liste du patrimoine en péril et potentiellement une sortie de la liste du patrimoine mondial, c'est-à-dire un déclassement. Mais je pense qu'on est loin de là. Aujourd'hui, on a des préoccupations qui sont réelles et on essaie de prendre les devants. Prendre les devants, c'est faire un état des lieux, identifier toutes les menaces et proposer un plan d'action et des mesures conservatoires. Donc c'est vraiment ne pas attendre que l'incendie soit dans la maison. On sait que le feu avance, mais on va essayer d'être plus rapide. C'est un respect scrupuleux de la réglementation. Si on respecte la réglementation, c'est la tolérance zéro. Ce qu'on a constaté, c'est que la réglementation n'est pas respectée. Et ce que nous demandons, c'est le respect de la réglementation. Et pour respecter la réglementation, il faudrait que les organes chargés de veiller sur la réglementation soient fonctionnels. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc, en fait, la faute, elle est à tout le monde. Il faudrait que l'État fasse son travail, que les organes chargés de veiller sur la réglementation soient opérationnels et que, naturellement, tous les acteurs du patrimoine saint-lusien soient invités à respecter la réglementation. Je travaille pour l'unité culture du bureau de l'UNESCO à Dakar. Et donc tout d'abord, nous sommes là pour, parce que nous sommes partenaires du Sénégal dans la conservation et la gestion du site. Nous sommes pas, je voudrais, nous sommes tout d'abord aux côtés du Sénégal parce que nous nous passionnons, nous préoccupons du patrimoine à travers le monde. C'est ça aussi l'universalité de la valeur du patrimoine, c'est-à-dire c'est l'humanité tout entière qui s'engage à préserver son patrimoine. C'est dans ce rôle-là que nous sommes ici en train d'accompagner le Sénégal, les autorités de Saint-Louis, la direction de patrimoine culturel, dans tous ces efforts d'améliorer, d'optimiser la gestion du site, la conservation du patrimoine. Et voilà, donc nous sommes là pour lancer cette initiative maintenant autour d'un plan d'action que nous espérons voir prendre effet, être opérationnel le plus rapidement possible, bien sûr.